Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Vasudevaya. Hari Om. Donc aujourd'hui, on reprend le Bhagavatam dans un jour qui est spécial, puisque c'est la fête du Bhagavatam, c'est la naissance de Krishna. On a célébré hier à l'ashram, plusieurs d'entre vous étaient là. Et c'est en même temps, il y a une chose que j'ai pas omis de dire hier, c'est que en fait, la fête de Krishna se célèbre à minuit. C'est-à-dire que c'est à l'heure où de la pleine obscurité, c'est-à-dire la pleine ignorance, que Krishna se manifeste. Et là, on commence à prier, Sri Krishna Saranam Mama, c'est-à-dire on commence à l'invoquer pour qu'il nous aide sur le chemin de la spiritualité, qui est un chemin de lumière et de joie et de paix et de tranquillité et d'équanimité de l'esprit. Donc, c'est donc l'anniversaire du Bhagavatam. Et en même temps, pourquoi je dis l'anniversaire du Bhagavatam? Parce que, dans les quelques années, c'est la nuit du Kali Yuga. Et on est dans cette quatrième époque, le Kali Yuga. Et Krishna n'est plus là, encore qu'on verra tout à l'heure qu'il est à un endroit, mais il est plus là en tant qu'avatar, mais il est là à travers son corps spirituel, qui est le Bhagavatam, c'est-à-dire l'héritage de tout ce qui est son enseignement. Parce que qui est un chrétien? C'est pas celui qui a été baptisé, c'est celui qui suit, qui comprend et qui suit l'art de vivre prôné par le Christ. Qui est un musulman, pareil pour Mahomet. Qui est un Vaishnavite, c'est quelqu'un qui suit et qui comprend et qui suit ce qu'était Krishna et l'importance de Krishna. Voilà. Donc je vous rappelle maintenant là où on en était. On est dans l'histoire de Dhruva. Dhruva, c'est le nom astronomique aussi pour l'étoile polaire dans les pays asiatiques. Et Dhruva, donc, c'est le petit enfant, avait été son père par roi. Et il en était vraiment très chagrin. Sa mère, pour le consoler, lui avait dit de se concentrer uniquement sur le divin dans le monde de Krishna, c'est-à-dire Vishnu, c'est-à-dire Narayana. C'est-à-dire se concentrer sur ce qui est vraiment la nature profonde de l'humanité, qui a une nature à la fois animale, avec un passé, une construction d'un corps, d'un esprit, etc., qui n'ont rien de plus que celui des animaux, mais qui a autre chose en même temps, c'est-à-dire qui a la capacité d'établir son esprit dans l'équanimité, dans le calme, c'est-à-dire d'aller au plus profond de son individualité. Et là, au plus profond de son individualité, de transcender cette individualité dans un monde qui est vraiment un monde assez dur, assez peu gratifiant. Ben, les chercheurs spirituels, eux, ils cherchent le bonheur et ils ont compris que le bonheur ne se fait pas dans le monde, mais le bonheur se fait dans le cœur. Le cœur, c'est à la fois, c'est l'intellect, c'est-à-dire c'est une réflexion, mais en même temps qui emporte tous les aspects émotionnels et mémoriels, etc., de la vie. C'est-à-dire, on dirait en mathématiques, c'est une fonction intégrale, c'est-à-dire c'est une intégration complète dans le système qu'on appelle Sat-Chit-Ananda. Et alors donc, ce garçon est allé dans un endroit qui s'appelle le Braj,
c'est-à-dire l'endroit de Vraja, dans le lieu où s'est déroulée presque toute la vie de Krishna, en tout cas son enfance. Et il s'est lancé dans des austérités terribles, dans cette forêt du miel, cette Madhuvana. Et il a commencé à se nourrir que de fruits, puis de feuilles, puis que d'eau, puis que d'air, etc. À tel point que les dieux sont intervenus et Vishnu lui est apparu, Narayana lui est apparu, en lui disant: arrête tes austérités et demande-moi ce que tu veux. Ce qu'il a voulu, puisqu'il avait fait ses austérités avec son vœu, c'était avoir une place prédominante dans la création, dans le monde, dans la société, etc. C'est-à-dire ne plus être soumis aux aléas des autres. Et en même temps, il voulait se dévouer complètement au Seigneur. Et c'est lui qui l'avait conseillé sur sa voie spirituelle. Comme gourou, il a eu Narada, qui lui a enseigné le mot final, le grand mantra: Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Et donc, voilà. Donc, Narayana lui est apparu et lui a donné comme prophétie qu'il allait régner pendant 30 000 ans sur la terre et qu'ensuite, il pourrait rejoindre la place qui lui était assignée. Et on en est là. Et donc, comme je vous ai dit, quand il avait été chassé du palais, quand il avait quitté le palais, il n'avait pas été chassé, il avait été maltraité dans le palais, il avait quitté le palais de lui-même, et sa rencontre décisive était celle de Narada. Et le récit commence non pas avec Dhruva, mais avec Narada. Maintenant, je peux vous lire le récit. Ça s'appelle l'étoile polaire. Après avoir consolé et conseillé Dhruva, le sage Narada s'était rendu directement au palais de son père Uttanapada, décidément. Il y fut convenablement accueilli et on lui offrit une place d'honneur. Narada s'adressa au roi avec un sourire. Pourquoi cette mine aussi déprimée? Une calamité s'est-elle abattue sur vous ou sur votre royaume? Le roi soupira profondément et répondit: Hélas, j'ai été impitoyable. Aveuglé par mon amour pour une femme, j'ai accepté qu'on chasse loin de moi mon jeune fils, pas qu'on chasse, qu'on repousse loin de moi mon jeune fils de 5 ans. Je crois qu'il erre quelque part dans la forêt, il est peut-être en train d'y mourir de faim ou de soif. Comment un corps encore si jeune peut-il encaisser toutes les difficultés d'une vie dans la jungle? Il a sûrement dû être dévoré par les loups ou tué par d'autres animaux dans cette nature sauvage. Il souhaitait seulement s'asseoir sur mes genoux, mais mon aveuglement a été tel que même cela, je n'ai pas accepté de le laisser faire. Ce pauvre enfant a été gravement blessé intérieurement par mon indifférence et par les paroles cruelles de ma femme. Il a tout quitté, il a disparu dans la nature. N'y a-t-il pas de quoi être profondément déprimé? Narada sourit au roi et lui dit: Arrêtez de pleurer votre fils. Il est sous la protection de Narayana, en personne. Votre fils sera le plus grand des hommes. Vous ne savez rien de la grandeur de Dhruva. Et vous ne connaissez pas non plus l'avenir qui est réservé à celui que vous appelez votre jeune enfant. Votre fils réalisera ce que les dieux eux-mêmes n'ont pas pu accomplir. Grâce à lui, le monde se souviendra de votre nom pour toujours. Vous serez connu en tant que Uttanapada, le père du grand Dhruva Swami. Ne vous inquiétez pas, Dhruva reviendra vers vous très bientôt. Durant les 5 mois qui s'écoulèrent après cette rencontre, le roi comptait le temps avec impatience. Un jour, il apprit enfin que son fils revenait de la forêt. Il sortit aux portes de la cité pour recevoir le petit garçon. Il était suivi de tous les habitants de la ville. Ses deux mères, Suniti et Suruchi, et son fils Uttama, c'est-à-dire sa mère Suniti, ainsi que sa belle-mère Suruchi et son fils Uttama, le cadet du roi, faisaient partie de la troupe. Dhruva atteignit la périphérie de la ville et le roi, de loin, le guettait sortir des bois, mais n'y tenant plus,
Il finit par sauter de son char pour courir vers son fils. Uttanapada l'étreint chaudement, les yeux remplis de larmes. Dhruva tomba respectueusement aux pieds de son père et de ses deux mères. Suruchi l'embrassa et la voix toute tremblante d'émotion, elle lui dit « Puisses-tu vivre pour toujours ?» Après quoi, les années passèrent. Le temps venu, le roi installa Dhruva sur le trône et abandonna sa couronne pour mener une vie de pénitence dans la forêt. Des années plus tard, après avoir régné avec sagesse et bonté, après avoir exécuté de nombreux yajnas et ashwamedhas, Dhruva s'est rendu compte qu'il avait régné sur la terre pendant 30 000 ans. La promesse du Seigneur était toujours restée gravée dans son esprit. Et il savait qu'après avoir exercé 30 000 ans son métier de roi, il allait pouvoir être, pas son métier de roi, hein, son métier de roi, il allait pouvoir être libre et de trouver le réconfort au pied de Narayana. Alors, Dhruva, pensant à préparer sa libération imminente, installa son fils sur le trône avec un sourire de bonheur et il se rendit à Badarika Ashrama pour y faire de nouveaux tapas. Il était impatient de se débarrasser de l'enveloppe terrestre qui renfermait son Atman. Il se plongea dans le yoga, c'est-à-dire à tout. Un chat étincelant s'arrêta devant lui et il en sortit des entités divines, qui étaient les serviteurs de Narayana. Il les a aussitôt honorés et lui ont dit: Il y a des années, lorsque vous étiez un enfant de 5 ans, vous avez prié le Seigneur de surpasser tout le monde et il vous a accordé une place dans les cieux, un endroit plus élevé que celui de quiconque sauf de lui-même. Même le soleil, la lune, les étoiles et les 7 rishis feront sans cesse votre pradakshina et n'atteindront jamais votre prééminence. Toutes les constellations, étoiles et planètes suivent dans le ciel une course qui leur est propre. Mais vous resterez toujours constant et immobile. Vous ne dévierez jamais de la place qui est la vôtre dans le ciel. Veuillez monter dans ce char, il vous conduira jusqu'à la place qui vous a été attribuée. Tandis qu'il s'apprêtait à monter dans le char, la mort s'approcha respectueusement de Dhruva et se prosternant devant lui, lui dit: Monseigneur, s'il vous plaît, daignez m'accepter. Dhruva répondit: Je te souhaite la bienvenue. La mort, et c'est ainsi que Dhruva est monté dans le char. Alors, la fin est très surprenante et très poétique, c'est-à-dire la mort s'incline devant Dhruva. Dhruva pose le pied sur la tête de la mort et monte dans le char. On va commenter ça après. Alors, vous voyez, l'histoire est assez courte. Les commentaires, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont tellement longs que ça va nous prendre beaucoup, beaucoup de temps. Après avoir consolé et conseillé Dhruva, Narada s'était rendu directement au palais de son père, Uttanapada. Uttanapada, ça veut dire celui qui va vers le mieux, celui qui va vers l'évolution, vers le haut. Et c'était un fils de Manu, c'est-à-dire c'était vraiment un des fondateurs de l'humanité, un très grand personnage. Mais pas aussi grand que son fils. C'est-à-dire que Narada, vous voyez, non seulement il est un gourou, il a été le gourou de Dhruva, mais en plus c'est un rishi, et c'est même un deva rishi, c'est-à-dire c'est un rishi, c'est-à-dire celui qui voit au-delà de qui a la vision, mais en même temps il a la vision du monde des hommes et il a la vision du monde des dieux. Et il peut en même temps, c'est-à-dire du monde subtil, et il peut en même temps intervenir sur le cours des choses pour aider ses disciples ou ses gens qui sont en harmonie avec lui. Il peut aider à mieux piloter leur vie, à mieux, c'est-à-dire non seulement il va s'occuper du petit garçon et lui donner une leçon incroyable de vie sur la vie, etc., et même la place de la sadhana dans la vie et la place de l'expérience, c'est-à-dire du respect de ce pourquoi on a été mis sur terre.
Il lui apprend ça, et en lui disant qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps dans la vie pour mener à bien ses expériences et mener à bien ce que l'on est venu faire sur la terre, son devoir, son travail, et il y a un temps ensuite pour aller directement vers Dieu et oublier les hommes, le monde, les objets, les pensées, etc., etc. Tout ce qui n'est pas la source de la conscience. Et non seulement il fait ça, mais il va voir son père et il va aider aussi son papa à prendre à ce que son père respecte le travail qu'a fait son fils. Même dans les relations de gourou shishya, le gourou aide la famille à comprendre la démarche spirituelle d'une famille qui généralement ne comprend pas. Mais même, par exemple, pour être accepté dans un gurukul de shishya, doit avoir l'autorisation de ses parents. Même à la Chinmaya Mission, hein, si vous voulez suivre les cours de Vedanta, si vous voulez suivre un satsang, un yajna, etc., il n'y a pas de problème. Et si vous voulez suivre un cursus spirituel, il faut l'autorisation des parents. Et généralement, il y a une discussion entre le gourou et les parents pour que les parents soient à la hauteur aussi de comprendre ce que leur fils veut. Là, dans le cas de Uttanapada, il était à la hauteur de comprendre la grandeur de son fils. Mais la seule chose, c'est qu'il était aveuglé par ses propres passions et il ne pouvait pas y rater la réalité. Il n'utilisait pas son cerveau. Alors Narada lui s'adressa avec lui avec un sourire. Le sourire de Narada est toujours très ironique. Hein. Il dit, mais pourquoi cette mine aussi déprimée? Une capacité s'est-elle abattue sur vous ou sur votre royaume? Et le roi répondit, hélas, j'ai été impitoyable. Aveuglé par mon amour pour une femme, j'ai accepté qu'on chasse loin de moi mon jeune fils de 5 ans. Je crois qu'il erre quelque part dans la forêt. Il est peut-être en train de mourir de faim ou de soif. Comment un corps si jeune peut-il encaisser toutes les difficultés d'une vie dans la jungle? Il a sûrement dû être dévoré par les loups ou tué par d'autres animaux dans cette nature sauvage. Il souhaitait seulement s'asseoir sur mes genoux, et mon aveuglement était tel que même cela, je n'ai pas accepté de le laisser faire. Ce pauvre enfant était gravement blessé intérieurement par mon indifférence et par les paroles cruelles de ma femme. Il a tout quitté et a disparu dans la nature. N'y a-t-il pas de quoi être profondément déprimé? Alors ça, c'est quand même un avis qui nous est donné. C'est-à-dire que il comprend tout, mais pourquoi si tard? Pourquoi ne pas comprendre avant? Ça s'appelle avoir l'intuition, utiliser son intuition. Pourquoi ne pas comprendre sur des indices et attendre que la grossification de l'expérience, la massification de l'expérience, pour pouvoir en tirer des conclusions. Un chercheur spirituel doit être plus subtil que ça. Mais quand même, il a quand même fait tout, il a quand même pu tout analyser. C'est-à-dire, alors, il y a un autre point aussi qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle la forêt ou la jungle, vana. Parce que vanaprastha, par exemple, c'est le troisième âge de la vie. C'est la vie où on part dans la forêt, où on part dans la nature. Mais en fait, qu'est-ce qu'il veut dire par Vanaprastha? Vana veut dire, c'est le lieu des pèlerinages. À l'époque, les pèlerinages étaient dangereux, mais pour des gens qui n'avaient plus rien à perdre. C'est vrai que, par exemple, à l'époque, on partait pas véritablement en pèlerinage très jeune, quand on avait encore des enfants et tout, parce qu'on avait une chance non négligeable d'y rester, mais pas vraiment. C'était pas vraiment. On partait pas pour ça, mais il y avait quand même des risques dans ces voyages. Il y avait des risques très importants. Par contre, sannyasa, il y a deux façons de partir. Vous voyez, quand par exemple, quand un sage a fini sa vie, à la fin de l'histoire, on va revenir sur ce sannyasa. Quand il repart pour la deuxième fois dans la forêt, c'est-à-dire il veut trouver le sannyas. Et c'est une question. Aujourd'hui, qu'est-ce que font les personnes très âgées? Alors on dit, ben, la famille s'en occupe bien parce qu'ils l'ont mis dans une maison de retraite et il mange une nourriture assez infecte et dans un environnement assez décadent.
Et donc tout va bien. Il n'a qu'à attendre la mort tranquillement, mais il est pas maltraité. L'ambition s'arrête à ça. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre les parents dans les maisons de retraite. Moi-même, quand ma mère était Alzheimer, tous les enfants étaient au travail et tout, il a fallu la mettre dans une maison de retraite. Mais ce n'est quand même pas la gloire. Et il faut beaucoup d'entourage. Une fois, j'ai discuté avec un prêtre du CHD, du CHU, qui me disait que il ne voyait les familles des gens qui étaient en fin de vie, il ne voyait que la veille de la mort. Quand vraiment l'hôpital avait passé un coup de fil en disant venez dire au revoir. Mais que sinon, les gens s'en fichaient complètement et les gens pouvaient rester parfois des mois, parfois des années dans la misère morale la plus forte. C'est-à-dire plus fort que la misère physique, il y a la misère morale. Et cumuler les deux, c'est veut dire Et à l'époque, c'est-à-dire ce qui est prôné par le dharma, c'est pas de se suicider ou quoi que ce soit, c'est de faire moins de concessions au corps et plus de concessions à l'esprit, c'est-à-dire que globalement, c'est le moment de vivre, et notamment son aventure spirituelle, c'est le moment d'aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au terme de sa quête. Je ne veux pas dire qu'il faut aller, comme vous vous rappelez, le frère de. Enfin, plutôt. Le père des Pandavas. Non, le père des Kauravas. Vous vous rappelez comment il est parti après, Oui. etc. C'est-à-dire, lui, c'était un départ, c'était un départ définitif. C'est-à-dire, il avait fini avec son travail dans la vie. Maintenant, quand les gens partent comme ça, que ce soit pour le yatra, c'est-à-dire pour le vanaprastha, ou que ce soit pour le sannyasa, alors dans ces deux cas de figure, en fait, la personne part parce que il y a un aspect de sacrifice et d'abandon de la matérialité, mais avec en contrepartie un investissement au moins égal dans la voie spirituelle et dans la recherche spirituelle et dans la quête d'épanouissement et d'aboutissement et d'accomplissement personnel. C'est pas un refus misérable ou c'est absolument pas négatif comme chose, mais ça comporte effectivement des dangers. Dans le bouddhisme, il y a à peu près la même chose, mais je vais pas rentrer dedans. Alors, mais là, il fait exactement la même réflexion qu'avait fait Narada. Il dit comment un corps encore jeune peut-il encaisser les difficultés de la vie d'un errant? Et comment il a dû être tué par les animaux, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi être profondément déprimé? Oui, parce que si à cause de lui, il n'a pas pu accomplir son prarabdha karma, l'inquiétude du père, ben, se mettre en travers de l'accomplissement d'un fils, par exemple d'un enfant ou d'une fille d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, il y a beaucoup de parents qui se mettent en travers de la vocation d'un enfant. Mais c'est très mauvais parce que l'enfant ne vivra pas. Même il part pas, il quitte pas, etc. Mais il ne vivra pas ce à quoi il aspirait et il va vivre autre chose qui va être certainement raté parce qu'il ne saura pas comment, il ne sera pas investi complètement dans ce qu'il veut faire. Bref. Narada lui dit, arrêtez de pleurer votre fils, il est sous la protection de Narayana. Alors là, on est typiquement dans Bhakti, c'est-à-dire, quoi que vous fassiez dans la vie, si vous vous mettez sous la protection du divin, Krishna Sharanam. Il n'y a pas de souci à se faire. Exactement. Sri Krishna Sharanam Mama, tu es ma protection, tu es ma protection, tu es ma protection. C'est-à-dire, quand vous hésitez, quand vous avez un conflit intérieur, quand vous avez un choix draconien, quand vous avez une hésitation sur la relation avec les autres, etc., alors les chrétiens, ils disent que ta volonté soit faite, et les hindous, ils disent
Ganesha Sharanam ou Shri Krishna Sharanam Mam. C'est-à-dire, je protège moi, Seigneur, je fais de mon mieux. Et Swami Chinmayananda le disait en anglais d'une façon assez lapidaire, comme il faisait toujours. Il dit, do your best, he will do the rest. Faites de votre mieux, de toute façon, il s'occupera de tout bien, tout arranger. Alors, arrêtez de pleurer, il est sous la protection de Narayana, et votre fils sera donc le plus grand des hommes. Vous ne savez rien de la grandeur de Dhruva. Dhruva, ça vient de Dhri. Dhri, ça veut dire la fermeté, et en même temps, c'est de ce mot-là que vient Dharma. D'accord? Donc le Dhri, c'est-à-dire Dhruva, veut dire celui qui est la fermeté et en même temps la clarté complète d'esprit. Vous ne connaissez pas non plus l'avenir qui lui est réservé, qui est réservé à celui que vous appelez votre jeune enfant. Votre fils réalisera ce que les dieux eux-mêmes n'ont pas pu accomplir. Alors ça, c'est encore une autre remarque que l'on peut faire. Vous savez, les dieux, je vous ai rappelé que c'était par exemple nos sens de perception, notre esprit et notre intellect. Et en même temps, les tanmatras à l'état subtil, c'est-à-dire l'air, le feu, l'espace, l'eau, la terre, etc., à l'état non mélangé. D'accord? Et à cet état non mélangé, mais il y a une chose qui n'est pas remise en cause chez les devas, c'est l'appartenance à la création. C'est-à-dire qu'ils sont enfermés dans la création, et ils sont à l'état subtil, dans le temps long, c'est-à-dire pour toute la durée du cycle cosmique. Regardez, il y a du temps des dinosaures, il y avait déjà l'espace, l'eau, le feu, la terre, etc. Et peut-être dans nos arrière-petits-enfants, on sera tous bien noyé sous le feu nucléaire, mais il y aura encore l'espace, l'eau, la terre, le feu, etc. Mais par contre, à la fin du pralaya, à la fin du déluge cosmique, à ce moment-là, au big crush, comme on dit en langage scientifique actuel, big crush veut dire tout se résorbe. Et ils rejoignent une idée du Bhagavatam qui dit tout se résorbe en Vishnu. Oui, exactement. C'est la résorption. Alors, votre fils réalisera ce que les dieux n'ont pas pu accomplir, c'est-à-dire réaliser tout le plan cosmique, comprendre tout le plan cosmique et y participer de façon délibérée et non pas de façon naturelle mais passive. Grâce à lui, le monde se souviendra de votre nom, vous serez connu en tant que père du grand Dhruva Swami, c'est-à-dire il l'appelle déjà le Swami, c'est-à-dire le Seigneur, l'incarnation du Seigneur. Ne vous inquiétez pas, Dhruva reviendra vers vous très bientôt. Durant les 5 mois qui s'écoulèrent, le roi comptait le temps avec impatience. C'est-à-dire que un jour, il apprit que son fils revenait dans la forêt. Il sortit aux portes de la cité pour recevoir le petit garçon. Il était suivi de tous les habitants de la ville, Suniti, Suruchi, et son fils Uttama, le cadet du roi, faisait partie de la troupe. Dhruva atteignit la périphérie de la ville, et de loin, le roi le guettait sortir des bois. Mais n'y tenant plus, il finit par sauter de son char pour courir vers son fils. Uttanapada l'étreint chaudement, les yeux remplis de larmes. Mais Dhruva ne répond pas à son étreinte. Dhruva tombe respectueusement aux pieds de son père et de ses deux mères. Et ça vous dit quoi? C'est-à-dire qu'il a atteint l'équanimité, le samadhana, à ce moment-là. C'est-à-dire que ses austérités ont été telles qu'il a compris, c'est-à-dire le monde, il est bienveillant envers le monde, mais il n'a pas de lien affectif. C'est-à-dire la mère qu'il a tellement adoré, etc., il sait que sa mère l'a adoré, mais elle est une créature, tout comme sa belle-mère qu'il a maltraitée, tellement durement traitée, mais elle tombe au pied des deux. Et son papa, qui a d'abord, qui a été au comble de l'indifférence,
Là, il l'étreint chaleureusement au comble de l'émotion en pleurant des chaudes larmes de joie à le voir, etc. Et lui, il voit les deux, dans les deux, il voit le même personnage dans les deux situations. C'est-à-dire que on dit, l'équanimité veut dire le chaud et le froid, l'amour et le désamour, l'honneur et le déshonneur. Shankara en illustrait bien ça. Le chaud et le froid, c'est-à-dire notamment dans Bhajagovindam. C'est-à-dire, Bhajagovindam, c'est exactement. Le chaud et le froid, c'est-à-dire physique, la maladie, la bonne santé, la jeunesse, la vieillesse, la vie, la mort, etc. Alors, il faut aller au-delà de tout ça. L'amour et le désamour, tels que par exemple les deux belles-mères, il y en a une qui l'aime, qui l'aimait follement et qui l'aime toujours. Il y a l'autre qui l'aimait pas et qui l'aime maintenant, et en même temps, son père qui l'aimait pas et qui l'aime. Mais remarquez ce qui se passe. C'est qu'au final, tout le monde finit par l'aimer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus en face d'un être dualiste dans le dwaitam, dans la dualité. C'est-à-dire que la personne qui a franchi la dualité, même si, par exemple, il doit être combattu par quelqu'un, mais quand il a franchi la dualité, il ne peut pas, cette personne-là ne peut pas ressentir de la haine, ou sa haine est une haine artificielle. Il n'y a pas de vraie haine. Est-ce que ça veut dire que quelque part, il a compris que bah, sans elle, il n'aurait pas pu vivre cette épreuve, il n'aurait pas pu se dépasser et atteindre. Est-ce qu'on peut aussi traduire comme ça, que finalement, ça reste une opportunité? Parler de ça, je sais pas si c'est ici ou ça en disant que chaque fois qu'on rencontre une épreuve dans la vie, on efface son paapam, et chaque fois qu'on jouit de la vie ou qu'on profite de la vie, on renforce son paapam. D'accord? Et chaque fois qu'on a une épreuve, on épuise son on, chaque fois qu'on a une épreuve, on renforce son punyam. Et chaque fois qu'on a la vie facile, on renforce son papa. C'est-à-dire que globalement, c'est vrai, mais d'un autre côté, pour le bhakta, c'est-à-dire pour l'homme spirituel, les enjeux sont plus comme ça. C'est-à-dire il est plus déterminé par son prarabdha. Et tant d'histoires le montrent dans les textes sacrés, notamment l'histoire de Saint Paul chez les chrétiens, où il va pour persécuter les chrétiens, il tombe de son cheval, etc. C'est-à-dire que il aurait dû payer pour ce qu'il a fait. Mais comme d'un coup il a compris, alors l'ardoise est effacée. Parce qu'il est, c'est, mais c'est pour ça que, par exemple, quand un sage atteint la réalisation spirituelle, eh bien, il atteint la réalisation spirituelle. Que devient son punyam? Que devient son papa? C'est l'entourage qui en profite. C'est-à-dire les gens qui se comportent mal vis-à-vis de lui, ils ont des contre-coups terribles qu'ils ne comprennent pas, et les gens qui se comportent bien. Et cela, même si c'est fait de façon superficielle ou forcée. C'est pour ça qu'on vous dit, par exemple, respectez toujours les hommes de foi. Parce que sinon, vous allez prendre cher. Et en même temps, si vous êtes respectueux, humble, etc., et vous essayez de. Vous êtes en empathie avec eux, alors par mimétisme ou par imprégnation, vous faites un progrès extraordinaire sans avoir à faire des efforts. Alors, c'est sûr que les épreuves que rencontrait Dhruva, il devait les rencontrer parce que c'était inscrit dans son prarabdha. Et je ne suis pas sûr que les gens qui aient les mêmes épreuves que Dhruva, notamment les méchancetés des belles-mères qui sont légendaires, je ne suis pas sûr qu'ils deviennent tous l'étoile du polaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus. Oui, c'est une loi. C'est ce que je disais dans la première partie de ma réponse. C'est-à-dire que oui, il y a une loi comme ça, que les épreuves renforcent et permettent de clarifier beaucoup de choses. Mais en même temps, et je vous en ai parlé aussi il y a trois séances. Vous vous rappelez l'histoire des cascades, là, Bhagirathi, etc., c'est-à-dire les cascades qui heurtent les écueils. Alors,
Les écueils, c'est ça les épreuves de la vie. Mais la personne qui apprend la souplesse, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle dépassera d'autant plus facilement les épreuves de la vie que ces épreuves ne sont pas significatives. C'est-à-dire que quand il a évolué aujourd'hui, là, ce que lui a fait Suruchi, l'orgueilleuse Suruchi, ce qu'elle lui a fait, toutes les méchancetés qu'elle lui a dit et tout, il s'en fiche complètement. C'est dans sa mémoire quelque part, mais comme un fait indifférent, c'est-à-dire il a déchargé la décharge émotionnelle, toute la force émotionnelle qu'avait cette expérience. Vous voyez? Pas vraiment. C'est-à-dire, une attitude équanime, c'est quelque chose qui est naturel, enfin, qui est neutre. Une attitude de compassion, c'est une attitude qui est positive. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un vient voir Narada et lui dit, je suis un petit garçon paumé, je ne sais pas comment m'en faire, enseignez-moi. Alors Narada va l'enseigner par compassion. Ça va plus loin que la neutralité. C'est-à-dire que c'est la compassion, ça veut dire le seva de Narayana à travers cette personne. Mais là, je pense justement que Dhruva, on ne peut pas vraiment le qualifier de compassion, parce qu'il sort du monde, lui. Il rentre dans le monde des devas, il va rentrer dans le monde des étoiles, comme tous les grands rishis, etc. C'est-à-dire, ils font leur travail, ils font un travail cosmique, mais ils ne font pas forcément un travail de compassion. Mais Le par exemple, même Narada qui a donné le mantra d'âme à Valmiki, oui. si tu veux, c'est Oui, le même, c'est personne Narada, il qui voyage de mon est âme. de mon enfant. Oui, je vois. Alors, donc, Uttapada tombe respectueusement aux pieds de son père et de ses deux mères. Il ne dit pas sa belle-mère et sa mère, ses deux mères. C'est-à-dire que des gens qui, astrologiquement, étaient placés comme étant son père et ses deux mères. Et donc, quelle que soit la façon ou l'histoire qui s'est passée, etc., sont venues pour faire un travail cosmique. Sur le plan cosmique, elles sont venues faire un travail, accomplir son prarabdha, et donc ils les respectent et ils tombent à leurs pieds. D'où la comparaison avec l'étoile polaire, le fait qu'il soit stable, en fait, c'est Absolument. d'accord. C'est-à-dire, c'est pour ça que je n'ai pas trop parlé de la compassion. Parce qu'en fait, il est au-delà de la compassion, il est situé dans il prend une position qui est cosmique. Sa mère, sa belle-mère l'embrasse, la voit toute tremblante d'émotion, il dit, puisses-tu vivre pour toujours. Et c'est elle qui, maintenant, qui fait les prédictions. Le temps venu, Dhruva installa son fils sur le trône. Non, le roi, son père, installa Dhruva sur le trône et abandonne sa couronne pour mener une vie de pénitence dans la forêt. Vous voyez que cette histoire de vie de pénitence dans la forêt, lui, il rentre dans le Vanaprastha, tout à l'heure je vous parlais, c'est-à-dire dans la troisième voie, mais on ne dit pas qu'il va dans l'extrême, c'est-à-dire il n'est pas dans la recherche tout de suite, mais il est sur la recherche de Tyaga. C'est-à-dire le renoncement au monde, mais pas encore sannyasa. Vous savez, dans la Gita, il y a une grande distinction entre le tyaga et le sannyasa. Des années plus tard, après avoir régné avec sagesse et bonté, après avoir exécuté de nombreux yajnas et ashwamedhas, vous savez maintenant ce que c'est, les yajnas, c'est les sacrifices avec le feu, au moyen du feu. Et les Ashwamedha, c'est le sacrifice du cheval qui n'est accompli que par les rois. Dhruva s'est rendu compte qu'il avait régné sur la terre pendant 30 000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, comme il était promis à devenir une étoile polaire, vous le savez maintenant, il a accompli ses 30 000 années sur terre, veut dire. Il a accompli tout ce que l'on pouvait faire dans le monde. Et que ce n'est que quand on a vraiment l'impression d'avoir
donner, on est pris dans la voie du renoncement total. Alors, il savait qu'après avoir exercé 30 000 ans son métier, donc son devoir de roi, il allait enfin pouvoir être libre et trouver le réconfort. C'est-à-dire qu'il a fallu ces 30 000 ans pour voir comment se menait le monde. Alors, Dhruva, pensant à préparer sa libération imminente, installa son fils sur le trône. Ça va être une catastrophe, hein, je vous le dis tout de suite. Avec un sourire de bonheur, et il se rendit à Badarika Ashrama. Alors, Badarika Ashrama, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas le... Il n'y a pas de sage qui s'appelle Badarika. Badarika, ça veut dire jujube. Et je voudrais vous parler de cette histoire-là. De Badarika Ashrama, on va faire un petit arrêt là-dessus parce que c'est une explication à part entière. Dans l'Inde, Shankara a fixé pour l'Inde 4 points qui s'appellent les Mais dhammas. Non, c'est avec pour les 4 disciples, mais les dhammas, c'est les 4 disciples plus un temple, un grand temple, un lieu géographique, un point cardinal et un siège de la divinité. D'accord? Donc, ces 4 points cardinaux, chatur, ça veut dire les quatre, dhamma, ça veut dire les 4 lieux saints ou les 4 sièges de la sanctification du monde. Ils sont liés aux 4 âges. Alors, il a installé au nord, il a installé. Ah oui, et ça correspond également aux 4 ères de la création, Satya, Guna. Alors, il a commencé par installer le premier, c'était Badrinath, celui dont on parle là. Badrinath. Badrinatha, c'est-à-dire le seigneur de Badara, le seigneur des jujubes. c'est l'autre nom de Badrinath, c'est Badarakashram. Alors, Je au pense que c'est Bérina ou moment. Badrina. Oui, je suis béni parce que on dit que c'est l'endroit où on fait un pèlerinage pour aller vers le paradis, vers l'absolu. Ah bon? Oui. On en a parlé. Je Oui. Parce que c'est. On va en parler, justement, de Badrinath. Alors, c'est le. C'est ce. Ce Dhamma existe depuis le Satya Yuga, c'est-à-dire les premiers temps de l'humanité. Et celui qui a fait ça, celui qui a installé le Dhamma là-bas, c'était Naranarayana. Naranarayana, c'était 2 sages qui n'en faisaient qu'un seul et qui étaient à eux deux un avatar de Vishnu. Et il y avait Narayana, le Seigneur, et Nara, qui a pris la forme, qui est rentré en méditation, pour l'aider dans sa méditation. Nara s'est transformé en jujubier. Et a fait l'arbre comme l'arbre derrière le beau tree derrière le Bouddha. Alors Nara était l'arbre de vie et les deux réunis forment Naranarayana et en même temps c'est eux qui ont donné le nom à Badrinatha. Narayana étant le Nata de Badarvaya. Ok? Ça va, tu as une explication sur le pèlerinage que tu as fait? Oui. Alors, Satya Yuga, et en même temps, c'est le point le plus au nord de l'Inde, ce qui fait que tous les grands sages, y compris Shankara, Vedavyasa, etc., finissent leur parcours à Badrinath, c'est-à-dire, et disparaissent à Badrinath. On ne peut pas dire qu'ils meurent, on ne peut pas dire qu'ils ne meurent pas, mais ils disparaissent à Badrinath. Ensuite, en plein sud, exactement à l'opposé, au Treta Yuga, c'est-à-dire l'humanité avait encore la tierce de sa jugeote, et la pointe du sud, qui est presque à l'île de Ceylan, qui est contre la pointe de Ceylan, il y a le grand temple de Rameshwaram. Ensuite, il y a un troisième temple qui s'appelle Dwapara. Dwapara, c'était l'enlieu de Krishna, de Arjuna, Dwapara, qui est au Bengale, qui est dans l'ouest, et
Jagannatha, le roi Dieu, le roi du monde, il est au moment du Kali Yuga, il est apparu à l'est près du Bangladesh. Alors ça, c'est là, je suis dans ce que Shankara a fait. Alors, on appelle ça les Chardham ou les Chaturdhama, c'est-à-dire les quatre lieux de pèlerinage. Et on dit que si on a fait trois de ces lieux de pèlerinage, si on a fait les quatre, on s'appelle Dhruva. Si on a fait trois, on dit généralement la chaîne de naissance et des morts est brisée. Si on a fait un seul, et surtout le premier, Badrinath, alors on est sûr d'aller vers le Devaloka, au moins. Cette chance est belle d'avoir fait Mais deux. exactement, je ne sais pas, Non, moi, c'est ce qu'on raconte, hein. Maintenant, tu sais, il y a tellement de fausses news, de fake news. Alors, par contre, pour l'Himalaya, c'est-à-dire pour les gens qui ne pouvaient pas faire tous ces voyages-là, etc., il y a un autre Chardham. On appelle ça le Chota Chardham. Chota Chardham, c'est-à-dire les quatre principaux sanctuaires sacrés de l'Himalaya. Mais il n'y en a qu'un là-dedans qui est dans le grand château d'âme, et les quatre autres présentent des choses. Mais tout est dans la chaîne oui. himalayenne, et c'est un pèlerinage himalayen. On prend ces quatre sites-là. Alors le premier, c'est Badrinath, où on dit que le Seigneur Narayana habite, demeure. Il y a le deuxième, c'est Kedarnath. Tu parles là aussi. Oui, je suis parti là Tu aussi. parles dans le Exactement. Ben, tu as fait les trois des quatre, c'est j'en ai bon. fait quatre. Tu as fait les quatre? Tu as fait Yamunotri? Bon, ben voilà. Tu as fait les quatre. Et j'ai fait vraiment, je fais, mais tu l'as fait. Rameshwaram. Oui, Oui. ça aussi. Là, il y avait 21 rivières Oui. avec le cadre de baigne. Oui. Et alors, Kedarnath, la demeure de Shiva, et puis les deux autres, c'est des fleuves, c'est-à-dire Gangotri, c'est Gomukh, c'est la source du fleuve Ganga, et Yamunotri, c'est la source du fleuve Yamuna. Parmi eux, Badarika Ashrama, Badrinath, est considéré comme étant le lieu le plus sacré. Dans le Bhagavatam Purana, Sri Krishna a annoncé à Uddhava, vous vous rappelez d'Uddhava, son disciple et son cousin, Oui. son dévot absolu, celui qui l'a accompagné jusqu'à la mort. Ben, tout près de sa mort, il a dit à son ami Uddhava qu'il ne serait plus disponible que dans le lieu saint de Badarika Ashrama, c'est-à-dire Badrinath. Il a ensuite donné ses sandales à Uddhava et lui a dit de les porter et de les garder à Badarika Ashrama pour que les gens puissent les adorer. On peut encore les y voir dans un temple. Je ne sais pas si tu les as vus, les chaussures de Krishna. J'ai vu des sandales. Et là, c'est ça. J'ai vu que c'était des gens de vitrine, Oui. mais j'ai pas eu Eh bien, c'est les sandales que Uddhava a récupérées quand le chasseur, avant que le chasseur, après qu'il ait donné les sandales et qu'il lui ait Oui. demandé de porter, il lui a chassé et il a joué de la flûte Oui. et le chasseur est venu attirer la flèche dans Ah, son pied. c'était à ce Parce qu'il n'avait plus moment-là. de sandales. Ah, oui. Quand il a tiré ses sandales, ça veut dire qu'il quittait le monde, il quittait ce monde de dualité. C'est pour ça qu'on tire les sandales avant de rentrer dans les temples, etc. Et il a reçu la flèche dans D'accord. le pied à cause de ça. Donc, Le seul endroit qui n'était pas quand on est protégé. monté dans le sanctuaire, il y a ça, on a enlevé ses chaussures, on faisait la Exactement, queue, oui. on saluait donc les sandales, et après il y avait quelqu'un, un prêtre, je ne sais pas qui, mettait le truc rouge sur la tête. Le couteau. Et là, on avançait. Oui, ben voilà, ben c'est C'était ça. ça alors. Oui. Tu vois, maintenant tu comprends ton pèlerinage. Oui, parce que les gens ne parlent pas, ils disent pas ce que tu es en train de faire. Alors, il lui a dit de porter, de garder à Badarika Ashrama pour que les gens puissent les adorer. On peut encore les y voir dans un temple. Les textes sacrés disent que la vie d'un hindou serait incomplète sans une visite à Badarika Ashrama. Moi, je ne suis pas allé. C'est le lieu La suprême de. prochaine fois. Voilà. Suprême de pèlerinage, pour l'éveil. Adorateur de Vishnu et ses avatars. Depuis des temps immémoriaux, toute l'Inde est liée à ces lieux saints par un lien de foi immémorial. Badarika Ashrama a une histoire très ancienne qui date de la période védique. On dit que la plupart des hymnes védiques et les principales Upanishads
ont toutes été chantées en premier à Badarika. C'est là que tous les grands sages et tout, et surtout un qui s'appelait Kanva, qui a été un des principaux auteurs de Yajur Veda. D'accord. Premier Veda. Non, c'est le premier, c'est Veda. Rigveda. On dit que beaucoup des hymnes védiques et les principales Upanishads ont été chantés à Badarika Ashrama, et c'est un endroit où d'innombrables rishis et munis ont fait pénitence. Vedavyasa, Narada, tous les grands sont passés là-bas. C'est-à-dire c'était un endroit de tapa. Et c'est pour ça, c'est le seul endroit au monde où aucun autre endroit spirituel en Inde n'est appelé Ashram. C'est-à-dire sont venus au bord de la rivière, au bord du Gange, là. C'est-à-dire, il y en avait partout et ça pullulait. Tous les plus grands du monde y sont allés. Mais autour, dans le pèlerinage, on voit beaucoup de sadhus, les swamis, Exactement, les gens Gisela. bien Oui, orange, oui, tout oui. le long, Oui, ils habitent là, tout le long, tout le long. tout le long. Et généralement, quand ils ont fini leur vie, par exemple, tous les plus grands intellectuels, etc., quand ils ont fini leur œuvre, soit ils ont passé la main au niveau de leur ashram, ou qu'ils ont fini des œuvres littéraires importantes, des commentaires, etc., des grands érudits, les plus grands Viennent érudits, s'installer là. ils viennent s'installer là et ils terminent leur vie là. C'est vraiment l'endroit le plus haut. Alors, on dit que les grands sages Nara et Narayana, ils pratiquent encore leur tapas à cet endroit et ils continuent à ce jour à le faire. Le Mahabharata raconte que ces sages ont pris naissance, une naissance humaine, comme Krishna, plus tard une naissance humaine comme, en tant que Krishna. En tant que Krishna et Arjuna, c'est-à-dire Nara Narayana, sont devenus par la suite Krishna et Arjuna, pour le bien de l'humanité. On mentionne que Krishna a visité et séjourné longtemps à Badarika Ashrama avec Arjuna pendant que Arjuna était en exil. Le sage Vyasa est aussi lié à cet endroit. Là, il y a une grotte à Badarika Ashrama, à Badrinath, une grotte qui est dédiée à Vedavyasa et qui est proche du temple. Et c'est là qu'il est censé avoir écrit le Mahabharata avec le Ganesh comme scribe. C'est dans cette grotte-là. Et c'est, je pense, cette grotte dans laquelle va maudit tout se recueillir. Oui. Mais la grotte que j'ai visitée, Oui. elle est chère, mais c'est un endroit vraiment comme une caverne, Oui. mais c'est interdit de prendre des photos. Oui. Très, très Oui, c'est. sobre. Oui, exactement. Et c'est donc là que Vedavyasa a écrit le Mahabharata. La grotte qui lui est dédiée est proche du centre. C'est là qu'il est censé avoir écrit le Mahabharata avec Ganesh comme scribe. C'est dans cette grotte qu'il a aussi rassemblé les Védas et les a divisés en quatre parties. Et c'est là aussi qu'il a enseigné ces différents Védas à chacun de ses quatre principaux disciples. Alors, chatur, 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 partout. Parce que l'architecture, le monde est basé sur le carré, puisque c'est le point parfait. Donc, c'est les quatre points cardinaux, c'est les quatre aires du temps, c'est les quatre disciples de chaque grand maître, etc., etc. Alors, sur ce carré, ce socle, pourquoi? Parce que c'est Dham. Dham veut dire en même temps la fondation, l'assise, le siège, etc. Alors, beaucoup de sages sont venus sont allés y méditer, comme Vashishta, Kanva. Pourquoi ici Vashishta et Kanva? Parce que les principaux écrits ont été faits par ces deux-là pour y méditer. Shankara y a instauré et a réinstauré le pèlerinage au 8e siècle. C'est Shankara, le fameux pèlerinage dont tu parles, que tu as fait, c'est Shankara qui l'a codifié dans ses écrits. Parce que entre la disparition de Krishna, etc., alors c'était un lieu de pèlerinage, mais ce n'était pas véritablement organisé, expliqué, etc. Shankara a tout ressuscité au 8e siècle et il a relancé, c'est lui qui a. Et il me semble, je ne sais pas si c'est là ou à Badrinath, mais il y a un endroit où il a retrouvé l'idole dans la rivière.
Et il a réinstallé l'idole d'un de ces vidames. Ah. Oui. Je sais que dans Telarnak, on a le lingam. Le lingam est Oui, un rocher magnifique qu'on peut au bord de la cueillir au rivière, là. Bangladesh. Oui. Les Oui. gens prient, Oui. ils font le tour, il y a tout un petit Parce passage que cela, c'est là-bas. dédié à Shiva, alors que Badrinath est dédié à Vishnu. Oui, et ça ressemble au Bangladesh, Oui. et on prie sur ce galet-là. Oui, Et exactement. là-dedans, il y avait toutes les pentes d'Ava qui étaient autour. On voit leur statue tout D'accord. autour. C'est beau. Alors, cinq des six écoles de la philosophie indienne, c'est-à-dire Vedanta, Bhakti, etc., enfin les six écoles de philosophie, les Vedangas, on appelle ça, ont écrit leur traité fondateur sur cette personne. C'est à Badrinath que les cinq des six écoles de philosophie. Celle qui n'y est pas, je crois que c'est Nyaya, c'est-à-dire c'est la logique, parce qu'ils n'acceptent aucun ancrage. Rien ne peut être. Tout est sujet à re-questionnement, etc. Première chose qu'on vous demande, on dit par exemple, Dieu est Sat-Chit-Ananda. Pourquoi? Ben, parce qu'il est absolu. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? On n'accepte rien, je vois. Oui, mais ça va Je jusqu'au bout. questionne. Oui. Alors, il n'est donc pas étonnant que tout hindou considère une visite à Badrika Ashrama comme un moyen de libération de cette vie de transmigration. Alors, selon la tradition hindoue, Badrinath est devenu important lorsque Narayana, un avatar de Vishnu, y a fait son tapas. À cette époque, l'endroit était rempli de baies ou plutôt de jujubes. Hein. Dans la langue sanskrite, ces baies sont appelées Badari, de sorte que l'endroit est appelé Badarika-Vana, c'est-à-dire la forêt des baies, l'endroit particulier où Narayana fait le tapasya. Un grand arbre de jujube s'est formé en le couvrant pour le sauver de la pluie et du soleil. Les habitants croient que Lakshmi est devenu l'arbre à baies pour sauver Narayana. Après Narayana, les gens prendront toujours son nom avant. Je comprends pas. Il y a un truc que j'ai pas bien travaillé. En tout cas, Lakshmi Narayana s'appelle donc Badri Narayana, c'est-à-dire le seigneur de la forêt de Badri. Tout cela s'est passé au cours du Satya Yoga. Badrinath est ainsi devenu le premier Dharma de cette façon-là. Bon, je reprends mes notes. Alors, donc, on revient à notre récit. Hein. Donc, il installa sur son fils et il se rendit à Badarika Ashrama, comme tous les plus grands, pour y faire de nouveaux tapas. Il était impatient de se débarrasser de l'enveloppe terrestre que renfermait son atman. Il se plongea dans le yoga à la façon dont il l'avait fait des années auparavant, aveugle et sourd à tout ce qui l'entourait. C'est-à-dire que là, c'est la méditation parce qu'il a fini ce qu'il a à faire dans la vie. Il n'aspire qu'à une chose, c'est à la mort. Il n'y a pas de suicide, il n'y a rien, il attend la mort. Un char étincelant s'attela devant lui, il en sortit des entités divines qui étaient les serviteurs de Narayana. Il les a aussitôt honorés et lui ont dit, il y a des années, quand vous étiez un enfant, vous avez prié le Seigneur de surpasser tout le monde et qu'il vous serait accordé une place dans les cieux, un endroit plus élevé que celui de quiconque, sauf. Même le soleil, la lune, l'étoile et les sept rishis feront sans cesse votre pradakshina et n'atteindront jamais votre prééminence. Toutes les constellations suivent dans le ciel une course qui leur est propre. Alors, tout ça, il parle de l'étoile polaire. J'ai fait un petit truc. Dans la mythologie indienne, l'étoile polaire est appelée Dhruva, dans l'astronomie aussi, le nom d'un ardent dévot de Vishnu. Plus communément, l'étoile polaire a pour nom l'étoile du Nord. Alors, ce que je veux vous expliquer, c'est ceci. Cette étoile, il y a un axe sur la Terre, on appelle l'axe Nord-Sud, l'axe des pôles, hein, pôle Nord, pôle Sud. Alors, l'étoile qui est dans le ciel et la plus proche de l'axe de rotation de la planète s'appelle l'étoile du Nord. Alors, ce qui caractérise l'étoile polaire, c'est son immobilité apparente dans le ciel au fil de la nuit par rapport aux autres étoiles.
Une étoile, qui, toute étoile pourrait représenter la caractéristique pour une planète, et elle sert à ce moment-là de référence fondamentale dans le ciel nocturne, notamment pour la navigation et l'astronomie. C'est-à-dire, quand on fait une carte du ciel, on part toujours de l'église, attendaient la nuit pour pouvoir faire pour pouvoir De faire leur papier. positionnement nord-sud, alors que l'est-ouest était facile avec la course du soleil. Le soleil donnait l'est-ouest, la direction est-ouest, la position est-ouest, et la nuit donnait la position nord-sud, notamment dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, c'est à peu près le même principe avec la croix du sud, mais il n'y a pas d'étoile polaire. Oui, cette même étoile-là, que les mages ont pris comme direction pour aller vers Pas du l'étoile tout, du Christ. pas du tout. Et ce qu'ils ont C'était fait, l'étoile polaire. ce qu'ils cherchaient, c'est ce qui les a conduits. C'était pas, non, c'était l'étoile du Parce matin. L'étoile du berger ou l'étoile du matin. qu'on disait l'étoile polaire. Non, c'est Ce une n'est pas la planète. même étoile. Non, en fait, l'étoile des mages, c'était Vénus. C'est une Oui. planète et pas une étoile. Et on l'appelle Stella Matutina, l'étoile du matin. D'accord. Ou c'est aussi l'étoile du berger, Stella Matutina, etc. D'accord. C'est la plus brillante. Oui. La première qui apparaît en lumière dans la journée. La dernière à disparaître et la première à apparaître. Et c'est parce que ce n'est pas une étoile. Et donc, oui, ça sert, est indispensable pour le positionnement et l'alignement d'un télescope pour que l'instrument puisse compenser correctement la rotation de la Terre. Plus important encore que la navigation, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun autre moyen, quand on prend un télescope, que de le calibrer sur l'étoile polaire. Ouais. Notre étoile polaire s'appelle Polaris. Et cette étoile du Nord est la plus brillante, non pas de la grande ourse, mais de la petite ourse. Son repérage est facile, c'est-à-dire que vous avez la grande ourse. La grande ourse, vous savez, chez les Latins, on l'appelle Septentrion. Et dans la mythologie indienne ou dans l'astronomie hindoue, on l'appelle Saptarishi. Ah, C'est-à-dire que à chaque fois que l'homme apparaît, les Saptarishis descendent, oui. redonnent vie à toute la création, revivifie la création, etc., ramène les Védas et tout, et après, ils repartent dans le ciel, ils sont ce qu'on appelle la grande ourse. Alors, cette grande ourse, c'est une des galaxies les plus visibles dans le ciel, ça Oui, ressemble à une espèce de casserole, vous voyez? Eh bien, si vous prenez le bord extérieur de la casserole, côté extérieur ou par rapport aux manches, vous voyez? Alors, vous prenez ça 5 fois et vous arrivez exactement sur l'étoile Polaris, Dhruva. Et alors, justement, cette grande ours-là, c'est l'objet qui est le plus près de la petite ours. Et Polaris, même la petite ours tourne autour de Polaris, de Dhruva. Et la grande casserole, elle tourne toujours autour de Dhruva. C'est pour ça que avec deux des étoiles de la grande ourse, on arrive toujours à trouver Dhruva, dans l'hémisphère nord seulement, hein, pas dans l'hémisphère sud. Ah, Et donc, tout tourne autour, c'est-à-dire, quand vous avez, maintenant qu'on a des photographies qui permettent de photographier, par exemple, pendant une nuit, le ciel, vous allez avoir que des grands traits, c'est-à-dire chacun à sa trajectoire, chaque astre à sa trajectoire, il y a un point immobile, c'est cette étoile. Alors, la caractéristique et son immobilité par rapport au fil de la nuit, par rapport aux autres étoiles. Notre étoile Polaris, son repérage est facile à partir des Saptarishis ou Septentrion, comme point de référence, etc. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette étoile, elle ne sera pas pour toujours notre étoile polaire. Aujourd'hui, c'est Polaris, mais en 3100, ça va être Al-Rai. C'est une autre étoile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, elle est très proche, mais l'autre aussi est très proche et moins brillante. Mais celle qui est là, elle s'approche encore. En 2100, elle va être le plus près possible du pôle, quasiment au pôle. Impossible sauf avec des moyens électroniques et tout. Al-Rai, Al-Rai. Alors, ce qu'il faut comprendre dedans, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Dhruva
et cette étoile, mais en même temps, c'est l'axe de la Terre, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucune matérialité. Il est le point cardinal de la Terre, mais il est plus matérialisé. Et ce qui l'approche le plus, c'est ce qui reste de son corps subtil et qui est cette étoile qu'on appelle Polaris. Alors vous voyez pourquoi il dit, même le Soleil et la Lune, les étoiles et les Saptarishis, c'est-à-dire la grande ours, vont faire sans cesse votre Pradakshina. C'est-à-dire qu'en fait, le ciel tourne exactement. Pourquoi est-ce qu'on fait le Pradakshina? On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Parce que dans l'hémisphère nord, le ciel complet tourne autour de la même chose à cause de la rotation de la Terre. Toutes les constellations, étoiles et planètes suivent dans le ciel une course qui leur est propre, mais vous, vous resterez toujours constant et immobile. Vous ne dévierez jamais de la place qui est la vôtre dans le ciel. Veuillez monter dans ce char, il vous conduira jusqu'à la place qui vous a été attribuée. C'est-à-dire que globalement, comme les Saptarishis, et comme on dit que les plus grandes étoiles, on dit Shesha, vous savez, le serpent. Oui, le serpent. Alors vous savez, on dit que la Voie lactée, c'est la dépouille de Shesha. Et que, alors, en Chine, en Asie, etc., c'est différent, c'est-à-dire les serpents sont tombés, les écailles du serpent sont tombées sur la terre pour faire les montagnes, etc., et c'est des trous qu'on voit. Mais là, lui, il est à l'état de dépouille, chez Chat, parce qu'il est dans le monde, mais il a laissé sa mue. Et les trous dans sa mue, c'est-à-dire la lumière qui arrive par les étoiles, etc., alors c'est la lumière de la conscience pure qui traverse le voile qui est comme une promesse aux hommes de voir la clairvoyance à travers cette mue qui est l'avidya, la non-connaissance, la non-science. Alors, il va pour là, mais pour ça, pour prendre cette place de Deva, il va falloir qu'il abandonne son corps. Et en fait, la mort arrive. Et tandis qu'il s'apprêtait à grimper dans son char, la mort s'approcha respectueusement de Dhruva. C'est-à-dire, la mort ne s'approche respectueusement de personne, sauf des hommes de réalisation. Les hommes de réalisation, quand la mort est parfaitement comprise, c'est plus quelque chose d'horrible et d'épouvantable, et l'épouvantail à moineau qui arrive. C'est-à-dire, Yama arrive avec vraiment beaucoup de respect, etc. Et il dit, mon Seigneur, daignez m'accepter. C'est-à-dire que l'homme, on dit le grand yogi, le grand homme de réalisation, il peut accepter, comme Bhishma, par exemple, n'a pas accepté la mort tout de suite, il lui a demandé de revenir parce qu'il voulait être dans le Tvayana, c'est-à-dire justement dans la marche cosmos, parce qu'il voulait aller dans le ciel. Et donc, Dhruva répondit avec un sourire, je te souhaite la bienvenue. Il posa aussitôt son pied sur la tête inclinée de la mort, et c'est ainsi que Dhruva est monté dans ce char. C'est-à-dire que poser le pied sur la tête de la mort, ça veut dire que au moment du départ de la dépouille mortelle, la personne est fixée dans son corps subtil, c'est-à-dire dans son corps causal. Son corps intellectuel, mental et causal est devenu tellement pur, tellement Shuddha Antakarana, c'est-à-dire que cette pureté intérieure le rend qualifié. Mais lui, il a eu en plus qu'il a été, en tant qu'étoile, il a gouverné les hommes. Il n'est pas parti directement vers la réalisation, c'est-à-dire vers la dissolution. Il a été préservé par Narayana pour illuminer, éclairer et guider les hommes. Et pourquoi cette place est tellement imminente? Je vous ai dit, parce que pour comprendre les étoiles et pour pouvoir se naviguer, ce Dhruva qui est là. Alors, il est resté, son corps causal et son corps divin est resté son Annamaya Kosha, c'est-à-dire son corps de béatitude, est resté dans la béatitude céleste, et il est préservé jusqu'à la fin du yoga, jusqu'à la fin des temps.
dans cette immobilité-là. Et en même temps, il sert de point de repère, c'est-à-dire tout comme cette histoire nous sert de point de repère, de point pour s'aligner, pour évoluer, etc. Alors, il est placé comme ça pour tous les temps et pour toujours. Dans le ciel, il y a l'histoire, il y a toute l'histoire. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, l'astrologie hindoue, c'était des grands sages qui ont fait. Et d'ailleurs, puisque vous êtes dans le yoga, Patanjali a écrit des traités d'astronomie qui sont liés complètement avec les Puranas. C'est un art complet. On peut pas avoir idée parce que nous, on va distinguer la mathématique de la philosophie, de la morale, de l'histoire, des descriptions, etc. Mais Swami Chinmayananda disait, la spiritualité, c'est l'art avec un grand A qui comprend tous les arts, audio, visuel, mental. Récits, théâtre, tout est inclus dedans, y compris les sciences telles que astronomie, physique, etc. Voilà. Merci. C'était peut-être un peu laborieux, au point de vue, enfin, peut-être un peu compliqué, beaucoup de concepts et tout. En tout cas, retenez une chose, c'est que il y a, bon, d'abord, toute l'histoire de Dhruva, elle est absolument sensationnelle. Je pense que vous la reprendrez bien un jour avec, en disant, parce qu'il y a beaucoup à apprendre dedans. Et comme dans beaucoup d'histoires des Bhagavatam, dans le Gita Dhyanam, alors il dit, chacune de ces histoires est comme une étamine qui comprend le pollen des écritures sacrées. Alors, elle peut toujours reconstituer l'écriture sacrée avec l'écriture. Des questions, que ce soit ici ou dans la salle virtuelle? Questions, Jean-Louis? Non? Ok, ben on va arrêter là. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Vrityorna Amritam Gamaya Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Shanti, Shanti, Hari Om, Shri Guru Namah, alors, cette journée aussi de Krishna Jayanti, c'est une des meilleures cartes du ciel. C'est là où on voit le mieux les étoiles et en même temps, elles sont dans des configurations qui sont complètement en harmonie avec Hari Om Delphine, en harmonie avec toutes ces histoires, ces belles histoires pleines de lumière. Les gens d'avant, ils savaient lire le ciel. Oui, Ils savaient absolument, lire et absolument. décrypter toutes les constellations. Non seulement comprendre les constellations, mais aussi comprendre le sens des événements en fonction des ciels. Exactement. Et tu veux la nature. Et la nature. Tu veux être très proche de la nature. Il y avait moins de pollution aussi. Il y avait une autre époque. Ok, Ariom, je mets fin à la Allez, conversation. bonsoir.